Ce chant est un chant grégorien. Le nom de chant grégorien est issu d'une histoire légendaire rattachée au pape Grégoire au début du Moyen Âge, plus précisément au VIe siècle. Quel est le caractère de cette musique? Eh oh! Vous écoutez, hein? Bon, allez, on se réveille là! C'est doux, calme, paisible, léger, sensible, rêveur, enivrant. Doux, calme, sensible, rêveur, enivrant, enivrant. Qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis sur un tonneau? C'est pas un tonneau, c'est une future guitare. Valentin travaille le bois pour créer des guitares, des basses, des ukulélés. Ce jeune luthier belfortin récupère des tonneaux de vin de Bourgogne. L'intérêt principal pour moi d'utiliser de vieilles douelles provenant de tonneaux, c'est de redonner vie à une pièce de bois qui a déjà été utilisée. Le métier de luthier, c'est facteur d'instruments. C'est fabriquer, réaliser des instruments de musique. Mais le mien, je considère que c'est rendre les gens heureux ou vendre du rêve. Les étapes de création pour un instrument, ça va être déterminer l'instrument, la sélection des bois, selon la sonorité qu'on désire. Ensuite, ça va être les étapes d'usinage pour la fabrication de l'instrument. Et ensuite, on sera sur la finition et pour terminer, le montage final qui va donner ses premières notes. Pour exercer le métier de luthier, il faut connaître le bois, connaître l'instrument lui-même, avoir des connaissances aussi en musique, mais c'est surtout, dans ce métier, le plus important, c'est d'être patient. Prendre le temps de travailler une pièce de bois, la façonner, regarder, toucher. Tout se joue au niveau de la main, au niveau des mains et des sens. Pour accéder à la profession de luthier, il faut pouvoir, au préalable, valider un CAP lutherie. Il est aussi possible de faire un CAP assistant technique instrument de musique option guitare, puis le brevet des métiers d'art, technicien en facture instrumentale option guitare, est envisageable. Enfin, il existe le diplôme des métiers d'art lutherie qui mène à des métiers plus créatifs. Arthur ! Arthur !